Bonsoir à tous. Au menu de notre émission, la soirée brésilienne Delicia qu'il ne fallait pas rater. Mardi Gras oblige, nous vous présenterons nos traditionnels diables rouges. Et maintenant, partons à la découverte des préparatifs de Vagabond. Salut tout le monde! Salut! Alors, explique-moi ce que tu fais. Ben, nous sommes en atelier costume cet après-midi. Nous avons fait de la récupération, décor les harnais, les instruments de tout le groupe. Alors, toi, tu t'occupes des instruments, c'est ouais, ça? Voilà, tout à fait. Ben, on est en train de les customiser hein, pour le carnaval. Donc, vous voyez, donc on prend différents types de peintures en fonction du support qu'on a à maquiller, si on veut. Il y a une peinture spéciale pour chaque instrument? Voilà, ben, si c'est un instrument avec une structure en bois, on ne va pas prendre la même peinture que pour un instrument en acier ou en fer. C'est joli, non? Alors, c'est quoi ça? Alors, en fait, ce sont des accessoires issus de recyclage. En fait, ce sont des bouteilles en plastique qui vont composer nos costumes pour les joueurs gras. Donc, en fait, ça correspond à des épaulettes. Et puis, on aura également, toujours en recyclage, ben, des petits chapeaux. Hein. Donc, c'est pour avoir un effet visuel assez sympa dans la rue. Donc, voilà, ce sera sur la tête. D'accord. Très coloré, voilà. En tout cas. Toujours, mais toujours aux couleurs de Vagabond. Fluo, c'est ça? Fluo, jeune fluo, orange fluo. Alors, Vagabond, c'est Various Carnival Band, c'est ça? C'est exactement ça, c'est une contraction. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est Various Carnival Band. D'accord, et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Effectivement, l'année dernière, on a très peu communiqué là-dessus. En fait, c'est pour expliquer nos ambitions, en tout cas avec le groupe à Bordeaux, d'où on vient. On avait envie de faire un nouveau carnaval, un carnaval varié et surtout un peu international, on peut dire ça comme ça. Vu les origines, en tout cas, et les inspirations qu'on a, c'est plutôt pour parler de ça, en fait. Voilà. Tu es le leader du groupe, le vrai de vrai, et je vois que j'ai vu que tu as fait des gestes, plein de gestes avec des codes. Ouais. C'est quoi exactement? Bah, parce qu'en fait, on est un groupe nombreux, on est une centaine, mais même les petits groupes de 20 joueurs ont besoin de faire des signes. Je ne peux pas leur parler. Dans la rue, il y a du bruit, il y a les bras de jack, il y a les klaxons, il y a tout ce qu'on veut, il y a les instruments. Donc le sifflet, ils ne l'entendent pas. Donc il faut que je fasse des signes avec mes mains. C'est ce qui se voit en l'air, tout simplement. Donc c'est comme ça que j'essaie de me faire comprendre, en tout cas. Avec les baguettes aussi. Les baguettes, si je ne les ai pas perdues, ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà. Diable rouge ou diable à glace, c'est un personnage essentiel du carnaval de la Martinique. Le diable rouge porte sa tunique rouge ornée de miroirs, sa tête décorée d'une mâchoire de requin, chargée de cornes de bœuf qui respectaient chez les anciens des codes quant à la quantité posée sur le masque selon une hiérarchie convenue par les pratiquants. Le carnaval de Saint-Pierre avant 1902 était réputé pour ses bandes de diables dont on dit qu'elles s'affrontaient amicalement entre groupes de quartiers durant le carnaval. Et en particulier le Mardi Gras, devenu au fil du temps le jour où le rouge est choisi par tous comme la couleur prédominante. Ce personnage si particulier de notre carnaval nous ramène néanmoins une mythologie universelle. Mêlant le rapport aux forces profondes symbolisées par le terme diable et des croyances africaines évoquant l'abondance, inspirant la stylisation du masque porté par le carnaval. Aimé Césaire aimait à rappeler son étonnement de découvrir au Sénégal la réplique de notre diable rouge, si ce n'est son origine. Étonné, telle est la fonction du diable rouge. Il est aussi un moyen d'exorciser la peur par sa présence dans la rue. Il est aussi évoqué dans les chansons spécifiques du carnaval, comme dans le vidé « Diabla Gamande et Antimormaï ». Ça fait quoi d'être entouré que de femmes dans le carnaval? Eh ben ça fait du bien. Hein.
drapeau des diables, c'est les chinoises maintenant. Tien chou douette. Tien chou douette. Tien chou douette. Tien tout, tien tout, tien tout doit. Vous êtes magnifique. Merci. Toi aussi, d'ailleurs. Toi aussi. Alors là, on va envoyer un compliment. C'est vous qui faites la loi à Fort-de-France. Oui, oui. Il y a trop de délinquants. Il y a trop de délinquants. Ah ouais, voilà. Il faut chasser les trop de délinquants, il faut que tout se passe bien. C'est Carnaval vous emmène au Brésil grâce à Massaï Prod à la soirée Delicia. Regardez plutôt. Bonsoir Mario. Olivia, ça va ? Ça va et toi ? Super, super. On est heureux, l'endroit est magnifique. On a eu la chance en tout cas d'avoir cette habitation. Et on est très très heureux que les gens aient répondu présent. On est vraiment contents. Massaï, c'est horrible. Ça déchire, Massaï. Ça déchire. La soirée HTPGO, c'est top. Alors la soirée Delicia, ça se passe comment pour toi? Super bien, super bien. Ça fait 3 heures que je suis là, mais je m'éclate à fond. À fond, à fond. À fond, oui. Bonsoir Mirella. Bonsoir Olivia, ça va? Ça va et toi? Merveilleusement. La soirée? Très bien, vraiment. Alors très justement, bien. Pourquoi ce thème? Le thème Delicia, c'est parce qu'effectivement dans l'actualité en ce moment, vous avez ce morceau, ce titre qui est interprété depuis quelques temps, qui remporte un vieux succès et qui fait l'objet d'une chorégraphie. Donc c'est vraiment un phénomène d'ambiance naturelle qui vient et permet de créer l'atmosphère, de créer l'ambiance, sachant que le Brésil est la référence en termes de carnaval. Ai, ai, se eu te pego, 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 ai, ai, se eu te pego,
mais bon, on n'était pas sur ça parce qu'on était là pour mettre de l'ambiance, pour sauter, crier, passer une énergie, c'est super bien passé. On a vu que les gens, le public a réagi quand même. Ah oui, non, ils étaient très sur ça, donc nous, ça nous a fait plaisir et on a donné encore plus d'énergie. Alors juste avec John, John, bonsoir. Bonsoir. Président du groupe. O Melhor do Brasil. Un peu compliqué à prononcer quand même quand on n'est pas brésilien. Non, non, O Melhor do Brasil. Tranquille, tranquille, je veux juste le chantonner. D'accord, alors j'ai vu le show de tout à l'heure, c'est comment, c'est ton association, combien il y a de danseurs en général? Il y a beaucoup de danseurs dans l'association, mais nous travaillons principalement avec 5 filles et 4 garçons à peu près, on va dire, dans les prestations. Pour le carnaval, vous avez prévu plein de choses. Le carnaval, on défile les jours gras, mais on sera beaucoup plus, une soixantaine. Merci beaucoup, John, pour toutes ces précisions. Merci. Et bon carnaval à toi. Merci, boa noite pra você. J'espère que vous avez apprécié ces moments tout autant que moi. Alors je vous donne rendez-vous à la même heure demain sur Matinique Première.